Nous avons besoin de paix. Il ne devrait pas être si compliqué que cela pour nous d'œuvrer pour la paix. La Bible même nous le dit dans l'Ancien Testament, ce qui a guidé bien les populations de par le monde lorsque l'on passe aussi au Nouveau Testament. Ce sont les Romains qui nous disent « la vengeance n'a pas sa place ». Et même si l'on parle parfois de vengeance, on ne peut pas utiliser la Bible lorsqu'elle nous convient et la rejeter lorsqu'elle ne nous convient pas. Le 7 octobre a marqué la commémoration du premier anniversaire de l'attaque menée par le Hamas sur Israël. Les visages des victimes israéliennes, adultes et enfants, nous ont rappelé la tragédie de cette attaque. Comment ne pas comprendre ? Israël est un si petit pays, il y eut tant de victimes ce jour-là, assassinées, violées, enlevées. Les têtes pensantes du Hamas avaient si froidement et volontairement fait filmer et diffuser l'horreur de ce pogrom qu'il est miraculeux que seule une moitié des Israéliens ait cédé à la haine et au désir de vengeance. L'autre moitié s'y est refusée. L'autre moitié a su malgré tout garder la tête froide, mais oui, comment ne pas comprendre qu'il s'en soit suivi cette année d'intolérables bombardements. On ne peut que le comprendre, mais comprendre n'est pas partager et encore moins approuver. À une telle distance de ce drame, nous devons à ces victimes autre chose que des larmes et de la compassion. Nous leur devons de tout faire pour que le sang cesse de couler, les morts de se multiplier et la haine de s'approfondir. Nous ne devons jamais nous dire ni pro-israéliens ni pro-palestiniens. Nous devons toujours nous dire pro-paix, nous dire pro-paix. En réaffirmant inlassablement que non, la coexistence de deux États, israéliens et palestiniens, n'est pas plus utopique que ne l'était la réconciliation franco-allemande sur laquelle nous avons fondé notre union. Quel est notre objectif, l'ambition de tous les hommes de bonne volonté, et qu'elle verra jour, puisque nous nous battrons pour elle, et que nécessité fera loi. Cependant, nous ne devons pas oublier non plus les plus de 20 000 enfants palestiniens qui ont perdu la vie sous les bombardements à Gaza. Lorsque j'ai parcouru Internet, j'ai été touché de voir que sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes s'efforcent de rappeler les crimes commis des deux côtés. Et ce qui m'a profondément attristé, c'est le fait de voir ces deux camps s'attaquer mutuellement à travers des échanges houleux. Bien que je puisse comprendre la douleur qui anime ceux qui combattissent dans un camp comme dans l'autre, je pense que nous devons respecter la mémoire des victimes et suspendre, ne serait-ce que pour un moment, nos rancœurs. Il est essentiel de prendre un moment de recueillement pour honorer ces âmes innocentes, que ce soit à Gaza ou en Israël, qui n'ont en aucun cas mérité ce qui leur est arrivé. Les véritables coupables sont ces politiciens sans scrupules, égoïstes et insensibles qui ont été incapables de préserver leur peuple de ce désastre. Ce sont eux, les artisans de cette tragédie. L'animosité que l'on observe de part et d'autre est alimentée par des discours de répression et de guerre qui, d'escalade en escalade, nous ont menés à cette situation catastrophique. Les peuples d'Israël, de Palestine, du Liban, d'Iran et bien d'autres encore vivraient côte à côte et en paix si leurs dirigeants étaient sincèrement engagés dans une démarche de paix. Car il est temps que tous les peuples du Moyen-Orient comprennent et acceptent cette vérité implacable. Définir et reconnaître mutuellement les frontières de chacun et trouver les moyens de coexister pacifiquement est la seule voie vers un avenir paisible. Tant que Israël continuera à frapper ses voisins, le Hamas se croira légitime, voire obligé de riposter pour assurer sa survie. Et tant que le Hezbollah attaquera Israël, ce dernier répondra pour se défendre. Et ça, ce ne sont que des situations illustratives de la situation réelle que vous connaissez au Moyen-Orient. La seule solution durable et réaliste reste la négociation d'un cessez-le-feu pour que enfin les enfants palestiniens puissent retourner à l'école en toute quiétude et que les familles israéliennes puissent vivre sans la peur constante d'une vengeance imminente. Le peuple israélien n'est pas responsable des décisions meurtrières de Netanyahou, pas plus que le peuple palestinien n'est coupable des actes de terreur commis par le Hamas. Personne ne devrait se réjouir de la mort d'un innocent. Absolument personne. Les Palestiniens et les Israéliens sont des frères. Peut-on se réjouir du décès d'un frère ? Ces paroles s'adressent de manière générale à tous les peuples du Moyen-Orient qui sont tous concernés par cette situation. Je sais que certains jugeront mon discours de naïf. Beaucoup diront que j'ai occulté les racines historiques profondes de ce conflit. Mais mon discours à travers cette vidéo est d'amener les Israéliens à compatir pour les victimes palestiniennes et à condamner l'obstination de Netanyahou à refuser une solution pacifique. J'aimerais aussi par ailleurs que les Palestiniens eux aussi
expriment systématiquement leur solidarité pour chaque victime israélienne innocente. Mes chers frères et sœurs, ayons de l'empathie pour nos semblables lorsqu'ils souffrent. Chaque vie humaine mérite d'être honorée, quelle que soit son origine. Je vous invite tous à laisser un commentaire en hommage aux victimes. Je vous remercie. Je vous dis que notre peuple désire la dignité, la liberté et la paix. Rien n'arrêtera le processus de paix. Il faut, disait-il, que cessent les guerres, pour nous, pour l'avenir, pour nos petits-enfants. Il faut parvenir à la paix. La question de la guerre ou de la paix est importante et vitale, pas seulement pour Israël. Elle est très importante aussi pour les Arabes, pour des millions, des dizaines de millions d'Arabes qui ont besoin de la paix. Je suis venu ici pour que nous construisions ensemble la paix juste et durable afin qu'il ne coule plus une seule goutte de sang d'aucune des deux parties. Et c'est pourquoi j'ai dit que j'étais prêt à aller jusqu'au bout du monde. Mais je vous dis aujourd'hui et je dis au monde entier que nous acceptons de vivre avec vous dans le cadre d'une paix juste et durable. Négocions un traité de paix et grâce au Seigneur, et c'est ainsi que nous le croyons, viendra le jour où nous signerons ce traité. Avec un respect, un honneur mutuel. Et alors nous saurons que l'époque des guerres est bel et bien terminée et que nous allons nous tendre la main, que nous allons nous serrer la main les uns les autres. Et l'avenir sera brillant pour tous les peuples de la région. Nous sommes venus à Camp David avec toute notre bonne volonté. Et ce soir, nous venons de quitter Camp David avec pour nous un nouveau sens au mot « espoir ». Nous devons signer la paix avant 3 mois, mais promettons-nous d'essayer de la réaliser encore plus tôt que prévu. Venez ici. Venez ici aux Nations Unies faire la paix. Je vous dis que notre peuple désire la dignité, la liberté et la paix. Avec tous les risques, avec toutes les questions, c'est finalement l'option de la paix qui est la seule option raisonnable pour les Arabes, pour nous, pour les régions et pour l'Europe aussi. Vous êtes nos nouveaux voisins. On est cousins, dit-il à Rabin et Peres, puisque nous sommes, vous et moi, les fils d'Abraham. Si on ne paie pas pour cette paix, si on ne la soutient pas, politiquement, économiquement, moralement, et au niveau des médias, comment cette paix pourrait-elle se poursuivre? La paix, est-ce que c'est des simples mots ou une réalité? J'ai toujours pensé que la majorité du peuple aspirait à la paix était prête à prendre des risques pour elle. Et vous ici, en participant à ce rassemblement, vous démontrez, avec beaucoup d'autres qui ne sont pas venus, que le peuple désire sincèrement la paix.